À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Non, nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. La cellule pour Laurent Gbagbo, cellule de veille stratégique, de réflexion et d'action pour la promotion de la vision, de la philosophie et des valeurs qu'incarne Laurent Gbagbo, saluera non sans fierté cette bonne nouvelle par une déclaration le 30 mai 2020. Déclaration dans laquelle elle invite les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, les démocrates de tous bords, à se mobiliser autour du président Laurent Gbagbo pour le triomphe de la réconciliation nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. Pour la cellule pour Laurent Gbagbo, le rassemblement autour du président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, est une exigence en ce tournant historique de la vie du Front populaire ivoirien, de la Côte d'Ivoire et du peuple de Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire et l'Afrique font partie intégrante de son ADN, ce que soulignera son ami et compagnon de lutte, René Bougie, en ces termes. Gbagbo n'est pensé qu'à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Sur le chemin de son emprisonnement à Korogo, les pensées de Laurent Gbagbo étaient tournées vers la Côte d'Ivoire et son peuple. Il le confirmera en ces termes. Sur le chemin, j'ai pensé à tous ceux qui étaient morts et qui avaient souffert. Je priais pour eux. Je me demandais ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire. La CPLG vous remercie en vos qualités et fonctions, tout protocole respecté, pour votre présence à cette rencontre de réflexion sur le thème Laurent Gbagbo, le don de soi. L'objectif général du panel est de contribuer à la mobilisation d'hommes et de femmes de vision, des leaders et animateurs de la vie politique de notre pays autour de la notion du don de soi tel que vécu et véhiculé par Laurent Gbagbo au travers de leurs témoignages, leurs analyses et réflexions. Docteur, assois-toi. Secrétaire général du Front populaire ivoirien, honorable Simone Gbagbo, deuxième vice-président du Front populaire ivoirien, première dame, professeur Hubert Oulahi, président du comité de contrôle, représenté par M. Gwéré Benjamin, M. Jean-Baptiste Niaoré, président du conseil politique permanent, représenté par M. Kipré Blé, M. le président Yano Yapo, M. le ministre Armand Wignin, président de l'EDS, Monsieur le ministre Siamara, Madame le ministre Daniel Boni-Claveri,
présidente de l'URD, Monsieur le ministre Affaires Kouassi, membre du comité central, Excellence Auguste Emmanuel Aka, conseiller politique du président Laurent Gbagbo, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et secrétaires généraux adjoints, membres du secrétariat exécutif du Front populaire ivoirien, je voudrais insister sur la présence du maire Ezaré Georges, représentant le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, M. Henri Niaba, président de l'UST, M. Samuel Philippe Abin, président du CNRD, M. Paul Arnaud Bouy, représentant l'UNG, Mesdames et Messieurs les présidents des structures de la société civile, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les membres de la cellule pour Laurent Gbagbo, honorables invités. La cellule pour Laurent Gbagbo, conduite par la camarade Agnès Monnet, conseiller politique du président Gbagbo et ses camarades membres, sont heureux de vous accueillir à ce panel dédié au président Laurent Gbagbo. Nous vous souhaitons le traditionnel Akwaba. Ce forum se veut un cadre d'information et de formation pour une meilleure connaissance du président Laurent Gbagbo. Approfondir la connaissance du président Laurent Gbagbo, pensons-nous, est une œuvre d'utilité publique. Et pour cause, l'histoire des peuples est marquée par des vies singulières qui sont des modèles qui impactent la marche de l'humanité. Je citerai un exemple, Karl Marx, Jean Jaurès, Mao Zedong, Martin Luther King, Béanzin, Samori Touré, et plus près de nous, chez nous, au Fouet-Boigny. Ce sont des modèles de vie. À travers leurs exemples, nous pouvons formuler des visions qui constituent le substrat des combats pour relever les défis de notre temps. Parce que le professeur Laurent Gbagbo a visité la vie de ses illustres modèles et s'est fait une conviction. Quand la pensée peine devant l'inhumanité vivante, il faut choisir de s'oublier en portant les causes des opprimés. Oui, Laurent Gbagbo, le contemporain, a choisi de mourir en lui-même pour défendre la cause des peuples d'ici et d'ailleurs. C'est en cela, croyons-nous, qu'il rejoint ces modèles historiques dont la vie inspire à plus d'un titre. Connaître donc Laurent Gbagbo, ce modèle vivant, c'est à cela que la cellule pour Laurent Gbagbo vous invite. La cellule pour Laurent Gbagbo est une organisation d'existence récente. Elle est composée d'un groupe de militants du Front populaire ivoirien pour qui le président Laurent Gbagbo a toujours été et demeure l'unique référent politique, des leaders incontestables et incontestés qui n'a jamais eu peur de perdre sa vie au nom de son peuple, de la liberté et de la justice. Certes, les membres de la CPLG ont cru bon, à un moment donné de leur engagement inconditionnel au pays, d'embarquer de toute bonne foi dans un bateau qu'ils voyaient s'éloigner peu à peu de la ligne de démarcation entre la rive gauche et la rive droite, au point de chavirer totalement et de sombrer dans les eaux troubles de l'opportunisme, de la trahison et de la démesure. Ce qui nous éloignait, assurément, des causes souveraines du patriotisme sincère et de la libération du peuple ivoirien. Pour nous autres, il ne s'est jamais agi de rupture avec le président Laurent Gbagbo, à qui nous demeurons fidèles en toutes circonstances. Cette cellule pour Laurent Gbagbo reste ouverte à tout citoyen, toute citoyenne, épris de liberté et de justice. Son objet est de cerner l'homme, Laurent Gbagbo, dans ses aspects pluridimensionnels, en vue de le fixer définitivement dans le temps et dans l'espace, afin d'avoir un référent dans notre marche.
Notre désir profond est de faire de la cellule une organisation de veille stratégique, de réflexion et d'action pour la promotion de la vision, de la philosophie et des valeurs qu'incarne le président Laurent Gbagbo. Certes, le projet est audacieux, voire même périlleux, mais avec les sommités que vous êtes, nous espérons réussir le pari. C'est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez accepté de distraire une partie de votre temps précieux au service de cette œuvre. Nous vous remercions très sincèrement pour votre disponibilité. Dans le cadre de l'organisation de ce panel, vous constaterez des imperfections que nous assumons entièrement, tout en implorant votre pardon. Nous comptons sur vos remarques afin que rien n'assombrisse la présentation de cet homme, notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci très appuyé à vous qui, malgré ces temps politiques brumeux et préoccupants, avez accepté d'apporter vos précieuses contributions à la présentation d'un homme, le président Laurent Gbagbo. Merci enfin à tous les membres de la cellule pour vos efforts moraux, financiers et matériels qui ont permis d'organiser cette rencontre. Je n'oublie pas nos précieux donateurs qui ont aidé à l'organisation de ce panel. Que ce premier panel suscite d'autres activités ou l'aboutissement de ce projet qui nous tient à cœur. Que Dieu vous bénisse et bénisse la rencontre de ce jour. Je vous remercie. Camarade secrétaire général du Front populaire ivoirien, honorable Madame la Première Dame Simone Élisée Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, à la suite du président du comité d'organisation, le ministre Amani, conseiller du président Laurent Gbagbo, permettez que je réitère ma reconnaissance et celle des camarades membres de la cellule pour Laurent Gbagbo, à mesdames et messieurs les panélistes, sans le lui spontané desquels ce panel n'aurait pas eu lieu. En fait, je fais mienne les civilités, n'est-ce pas, dont le président du comité d'organisation vous a gratifié, hein, tous, n'est-ce pas, distingués d'invités. Je n'oublie pas non plus les modérateurs. Alors, je m'en vais dire infiniment merci à Son Excellence, Monsieur le ministre Issy Amara, Madame le ministre Daniel Atissi-Boni-Glaféry, Professeur Dédi Séry, Monsieur Dogo Naoumou Laurent, inspecteur principal de philosophie. J'associe à ces remerciements Mesdames et Messieurs les modérateurs, l'honorable Massani Bamba, le doyen Aïnoro Paul Wout, docteur Adam Clémence et Monsieur Anderson Franck. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mon discours d'orientation fournira quelques éléments de compréhension et de justification de la problématique qui alimentera nos réflexions, échanges et débats de cette journée. Laurent Gbagbo, le don de soi. Qu'est-ce à dire? Une simple notion, un concept, quel intérêt trouverait-on à plancher sur un tel thème dans l'aujourd'hui de notre pays, de son histoire? Pour répondre à ces interrogations, somme toute rhétorique, nous rappellerons quelques fragments de la vie, du parcours de l'homme, de cet engagement, de cette lutte, et donc des obstacles franchis et souffrances endurées, mais aussi de cette histoire. Mon propos donc s'articulera autour de trois axes. Le premier axe, la longue marche. L'accusation pourra saisir la Chambre d'une demande en vertu de l'article 81.3c dès aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la Chambre, par une décision majoritaire, a décidé
que l'accusation n'a pas fait la preuve de la culpabilité des accusés en vertu de l'article 86 de la loi. Donc, accorde à la défense l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Charles Dekwete. Homme d'État exceptionnel, assumant sans ambiguïté son destin et ses choix, quoi qu'il lui en coûte, Laurent Gbagbo, en phase avec l'échelle des valeurs partagées avec le peuple de Côte d'Ivoire, en l'occurrence la foi, la dignité, la générosité et l'amour de la patrie, est cet homme-là que nous voudrions célébrer au travers du présent panel ayant pour thème central Laurent Gbagbo, le don de soi. Seront traités les sous-thèmes suivants. Laurent Gbagbo, le don de soi sous l'angle de la socio-anthropologie. Il sera présenté par le professeur Teddy Sir. Le deuxième sous-thème, Laurent Gbagbo, le don de soi sous le regard d'un grand serviteur de l'État, en l'occurrence, son Excellence, Monsieur le ministre Issou Amara. Troisième sous-thème, Laurent Gbagbo, le don de soi sous le regard d'un leader politique, sera présenté par Madame le ministre Daniel Akissi-Bonny-Clavier. Enfin, le quatrième sous-thème, Laurent Gbagbo, le don de soi sous l'angle de la philosophie, nourrira les analyses et réflexions de l'inspecteur principal de philosophie, M. Laurent Namou-Dogo. Enfin, camarade secrétaire général, excellence honorable, deuxième vice-président de la première dame Félicien, Simon Élie Gbagbo, distingués invités, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Le thème est tellement puissant, englobe beaucoup de choses. C'est pourquoi je vais insister sur une ou deux choses. Le don de soi pour Gbagbo Laurent, je pense que ce n'est pas un élément purement théorique, mais c'est dans les actes, les actions. Madame Gbagbo est là, je vais donner un élément qui pour moi constitue pour les Ivoiriens un élément important de ce que moi j'appelais les éléments qui concourent à la formation d'une nation. La nation se forme par les actes que pose le peuple, mais par les actes aussi que posent les individus, les dirigeants à des moments précis. C'est pourquoi je vais prendre le 11 avril 2011. Après 5-6 jours de bombardement intense de la résidence où Gbagbo était présent, où Simone et Yves étaient présents, où Sangaré et sa mère étaient présents, où leurs enfants étaient présents. Mais ce bombardement a été déclenché parce que Gbagbo Laurent avait refusé de se réunir, avait refusé de se coucher par terre, avait refusé de s'agenouiller. Il avait résisté. Il lui suffisait de dire « Oui, j'ai perdu les élections. » C'est M. Ouattara qui a gagné. Il n'aurait jamais été bombardé. Il ne serait pas arrêté. Simone ne serait pas arrêté. Tous les autres ne seraient pas arrêtés. Mais il a refusé, pour la Côte d'Ivoire, de se plier. C'est un élément essentiel pour la suite de l'histoire de notre peuple. C'est un élément essentiel pour la constitution de la nation ivoirienne. Parce que la nation a besoin de mythes. C'est pourquoi je voudrais lui dire merci. Je voudrais dire merci à tous ceux-là. Malheureusement, nous avons perdu sa carrière. Parce que ce jour, ils ont résisté pour que la Côte d'Ivoire résiste, pour que la Côte d'Ivoire demain soit un pays souverain, une nation souveraine. Je voudrais prendre un autre élément très important. C'est la naissance du RDR.
Gbagbo Laurent y a contribué. Maître Bogart Doudou et Assona a contribué en rédigeant les textes. Mais pourquoi? C'est parce que la vision que Gbagbo a, que ses camarades ont, c'est que un peuple, une nation vit par la confrontation des idées. Tu ne peux pas étouffer les idées. L'être humain, la vérité biologique, est une vérité qui évolue. Qui évolue, qui n'est pas statique. Donc, il fallait que les pensées diverses dans notre peuple s'expriment pour qu'on puisse construire notre pays. Donc, avec son ami Denis Kobéran, ils ont réfléchi et Denis a créé ce parti. Voici le deuxième point. Le troisième élément sur lequel je vais terminer, c'est que, à sa prise de pouvoir, ce pays était surendetté. Le régime passé avait laissé une dette colossale. Les institutions financières internationales avaient rompu les liens avec la Côte d'Ivoire. Gbagbo arrive avec son équipe et on lui dit, tant que vous ne payerez pas la dette que les autres ont laissée, vous n'aurez pas un sou pour développer la Côte d'Ivoire. Ses amis, ses camarades, dirigés par Boun Boabri et à son âme, vont élaborer ce que nous avons appelé le budget sécurisé. Ce budget va permettre de commencer à payer la dette de la Côte d'Ivoire et finir même à la fin de l'exercice budgétaire avec un excédent de près de 50 milliards. Mais cette action, nous Ivoiriens, ne l'a pas beaucoup analysée. C'est les camarades sénégalais. Quand nous étions en exil, je suis allé à Dakar, qui m'ont dit, mais vous avez mené quelque chose dans votre pays, sur la conduite des Gbagbo, vous ne l'exploitez pas, parce que les Africains, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que si les puissances internationales, les puissances financières font blocage, nous sommes capables de nous développer? Gbagbo a dit oui, nous sommes capables et il a démontré. C'est ça, il faut l'analyser, il faut l'approfondir. Le rôle de nos économies, de nos financiers. Est-ce que nous avons suffisamment les ressources internes pour élaborer un budget, mais ne pas faire comme aujourd'hui où on élabore un budget et on cherche 80% de ce budget à l'extérieur? Alors vous voyez, madame le coordinateur, vous avez raison. J'ai dit, Gbagbo Laurent, le ton de soi. Et je pense que les camarades qui vont prendre la parole, les grands spécialistes, vont encore développer d'autres aspects. J'ai été à Laurent Gbagbo une fois qui disait que, étant devenu président, comme vous l'avez dit, modeste, et que tout le monde peut être président. Je lui ai dit, non, c'est faux. Tout le monde ne peut pas être président. C'est un destin. C'est un destin parce que moi-même, je n'avais jamais imaginé que c'était une faute. Comme je l'ai dit, j'étais vendeur de du pain en mer au marché à Boaké pendant près de 8 ans. Et donc, je n'ai jamais rêvé d'être diplomate, encore moins même être ministre. Et tout en université, avec mon ami Yannou Yabo, qu'on appelait la meneur parce qu'il était tout le temps en désaccord avec tout le monde. Toujours aussi critique sur tout le monde. Bref, on traite ça avec le temps. Donc, j'ai fait la connaissance de Laurent Gbagbo à l'université, à beaucoup de personnes, Tchamboné, Dominique Anga, des milliers. Donc, voilà comment je l'ai connu. Si on le voit deux fois la haine, mais ce qu'on oublie, c'est que j'étais allé voir à Séguéla, quand il était en prison à Séguéla. À l'époque, aller à Séguéla, c'était aller sur la rue. Par amitié, parce qu'en définitive, l'amitié, je crois que lorsque l'ami est en difficulté, quel que soit le parti politique, il fallait le voir. Donc, je l'ai à Séguéla, je l'ai vu avec tout le monde. C'était une fois parce qu'en définitive, c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Donc, aujourd'hui, nous sommes à ce colloque.
à ce panel, c'est très important pour quelqu'un comme Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'en définitive, on dit que la mort tue Dieu. Envoyer Laurent à la haine, c'était un peu le Dieu politiquement. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la mort politique, mais c'est l'oubli qui est le plus difficile. Et le fait que vous tenez ce bloc, ce panel, je crois que c'est un signe de fidélité d'amitié, je crois que ça n'a pas été. Il ne faut jamais l'oublier, je crois que c'est ça qui est le plus important. Ça n'a pas été facile parce qu'en réalité, c'est là aussi que je vais désacraliser un peu les Nord-Africains. Parce qu'on parle de panafricanisme, non, je suis contre, je suis quelquefois pessimiste parce que je ne l'ai jamais vu. J'ai géré le Conseil de sécurité, j'ai géré l'Assemblée générale des Nations Unies avec 193 pays. Mais 53 pays africains à gérer, c'est la chose la plus difficile. Et le sommet de l'élection du président en 2001 à Lusaka a été difficile parce que tout le monde parlait de reconsidérer l'Union africaine et l'OUA parce qu'on s'est rendu compte que, quelle que soit, disons, la volonté de nos chefs d'État, on n'avait pas à résoudre le problème. Donc il fallait créer une structure plus forte pour essayer de résoudre le problème africain. À l'époque, il y avait 14 conflits en Afrique et la moitié de tous les morts, de tous les conflits du monde, provenaient de ces 14 conflits. Donc, que faire? Créer une institution avec plus de pouvoir. Et on arrive à Lusaka avec une rivalité la plus difficile. Il y avait trois projets de la nouvelle structure. Il y avait le projet Renaissance de Thabo Mbeki, le projet de l'État de l'Union d'Afrique par Kadhafi, le projet Omega par Ouad. Et donc, chacun voulait avoir un secrétaire général de l'OUA à sa dévotion. Donc c'était une bataille de leadership entre les États africains qui allaient avoir le secrétaire général pour pouvoir créer la structure selon sa vision des choses. Donc, c'était ça le rôle. En bref, ça a été difficile, on a gagné, parce que Laurent s'était impliqué lui-même dans ce débat. Il n'est pas resté simplement comme spectateur, il a été acteur aussi. Il y a des tas d'exemples dans lesquels je vais vous citer en tant que ma vision du personnage. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a un changement. Pour dire qu'en conclusion, je crois que c'est Yam Sokro. Vous savez, Yam Sokro, toutefois, a bâti Yam Sokro, et c'est un exemple en Afrique. Et chaque fois que je voyais Mobutu, il me disait Banalité, c'est mon Yam Sokro. Bon. Et lorsqu'il devient président, j'ai dit bon, est-ce qu'il va remettre en cause le transfert de la capitale à Yam Sokro? Bon, je me suis rendu compte que donc il avait réfléchi, il avait trouvé qu'à Abidjan, il fallait désengorger Abidjan, ça c'est une. Deuxièmement, que Yam Sokro était l'épicentre de la Côte d'Ivoire, un carrefour entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, donc vraiment pour lui, vraiment c'était l'idéal. Donc l'idée n'était pas tellement de sanctuariser quelqu'un, mais vraiment de créer une capitale comme Brasilia pour créer vraiment une certaine harmonie jusqu'en fin de compte. Et il a été le plus grand défenseur de Yam Sokro. Je crois que vraiment, il avait vraiment un objectif, c'est vraiment matérialiser Yam Sokro le plus tôt possible. Il a créé la Chambre des députés, bon, bref, il avait déjà le plan du palais. Tout avait été fait par Mamoudi, par ce moment-là, pour vous montrer que ce monsieur, quand même, savait se départir, disons, de son chapeau de FPI. Pour voir vraiment au niveau de l'État. Et c'est encore que je peux vous dire, parce qu'en fait, quand j'étais parti à la haine, pour la deuxième fois, ce sont des choses. Et il me dit, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, puisque en réalité, si je suis à Yam Sokro aujourd'hui, à la haine, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu l'a voulu parce qu'en fin de compte, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Dieu a voulu que je gagne ici pour réfléchir, pour voir tout ce que j'avais commis. Que ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et même les personnes, les gens qui savaient moi, je ne les connaissais même pas. Donc, j'ai essayé de voir tous les problèmes auxquels j'ai eu à faire. Parce qu'une fois, je l'avais dit une fois, parce que j'étais allé déjeuner avec lui, j'étais chez moi à la maison, il m'appelle, il me dit viens tout de suite, je suis avec mes amis. Je
Julien, c'était Albert Boucher, c'était Tamer Dieng, c'était Dansoko, c'était... Bref, un parterre, disons, d'Africains connus. Et Méry disait, il a dit l'orientation, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es président de la... Tu es de gauche, tu es président de la Côte d'Ivoire, et c'est la droite que vous voyez aujourd'hui en France. C'est la droite, ça crée. Il ne faut pas poser l'impression que tu es en train de créer un mouvement socialiste africain en Côte d'Ivoire contre eux. Il faut comprendre ça, parce que nous sommes dans un contexte très complexe, puisque depuis la chute du mur de Berlin, le 9 octobre 1989, le monde a changé, puisque en fin de compte, aujourd'hui c'est débouché, nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de l'éco-diplomatie. Aujourd'hui, ce sont les grandes puissances économiques qui dirigent ce monde, ce n'est plus la puissance. Et donc, aujourd'hui, il faut faire attention. Bref, il me dit, j'ai réfléchi à tous ces problèmes économiques, tout ça, et que maintenant j'ai une claire idée vraiment de ce que j'ai pensé. J'ai eu le temps de réfléchir. Donc, mon séjour à la haine n'est pas vrai. Ça a été un moment, disons, d'analyse, de réflexion sur mes erreurs. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais il m'a dit, je suis en tant que visitant du PDCI, en tant que disciple du Foyer, il m'a dit, tu sais, je n'avais pas compris les choses. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de potentialité. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont très solides. Il te rend compte, il dit que parce que aujourd'hui, en tant que président, j'ai découvert une chose, c'est qu'en 15 jours, rien qu'avec les recettes du port, les recettes de la douane, la masse salariale est ouverte. Tout le reste, là, c'est à poisson. Il dit vraiment, les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont très solides. Et pour faire vraiment un travail magnifique. En tant que fossiliste, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je lui ai dit une chose, c'est que en réalité, quand j'avais dit que, du moins pas lui, n'avait que fait voleur, mais j'étais avec vous faire, je crois qu'il a failli pleurer ce jour-là. Hein. Tant plus que c'était une période où vraiment il y avait la crise, il y avait les incendies, la production de café cacao était tombée à un bas, la masse salariale n'était plus couverte par les excès, et qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et que vous faire, qui était un peu, disons, le père de toute l'Afrique, a dû vendre des choses personnelles pour donner de l'argent à des personnes. Et chaque État avait des. Bref, pour dire que c'était une période. On disait qu'il était voleur alors qu'il était en train de vendre ses objets personnels pour donner de l'argent. Je dirais même à Mandela et tout ce monde-là. Donc, mais il a appris une chose. C'est là aussi, je crois que bon, c'est là aussi le drame du chef d'État. C'est que j'ai dit que le pouvoir, il y a deux facettes. Ou bien on cherche le pouvoir pour le plaisir, pour l'argent, les belles choses, on peut être heureux. Mais quand on cherche le pouvoir pour son peuple, pour son pays, on est malheureux parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous les paramètres de sa volonté dans sa main. Et je crois que c'est ce qu'il a compris, c'est qu'en réalité aujourd'hui, que c'est un autre homme bon que celui que vous avez voulu. J'ai compris sa méditation et que vraiment, pour lui, il est focalisé sur la Côte d'Ivoire. L'année 1990 était l'année de la libéralisation, des revendications sociales. Le front social était en totale ébullition. Les étudiants étaient dans la rue. Donc les campus étaient en effervescence. C'était l'année où vraiment le multipartisme est rentré dans beaucoup de pays. Je crois que c'est l'année aussi où le FPI a été légalisé. Je pense en 90. Et il y a eu évidemment l'annonce qui a été faite de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 1990. Quand on dit ça comme ça, ça peut vous paraître un peu bon, banal. Bon, il s'est présenté, on connaît les résultats. Mais dites-vous bien que ça a été un immense coup de tonnerre. Le ciel de Côte d'Ivoire a été zébré par cette annonce. Et j'aime mieux vous dire que c'était parce que je pense, hein, c'est comme ça que je l'analyse, parce que dans l'inconscient collectif des Ivoiriens, même si vous pouvez commencer à être un petit peu âgé, disons que c'était quand même le roc, la montagne solide, inébranlable, indestructible. Et quel était ce personnage? Tout à l'heure, le président Essiemara a parlé du rebelle, du rouge, du socialiste qui venait un peu secouer les fondements libéraux d'une société qui fonctionnait encore tranquillement, vous comprenez, sur des acquis. Donc, nous étions à la télévision et je veux dire, on vit dans son temps
également. Donc il y avait des courants, les journalistes avaient envie de s'exprimer. Mais vous savez, quand on n'a pas l'exercice de la liberté, même quand vous l'avez, ben, vous hésitez à l'exercer. Et je me suis retrouvée un petit peu avec ça, avec mes journalistes. Alors, c'est là où j'ai connu, la première fois, j'ai rencontré Laurent Gbagbo, secrétaire général du FPI, qui venait à la télévision parce qu'il fallait quand même qu'on s'entretienne, que je connaisse, que lui-même voit un petit peu comment il allait pour la campagne, puisque quand même, la libéralisation commençait à rentrer dans la RTI. Il y avait la fameuse loi qui existe toujours et qui organise l'accès des partis qui présentent des candidatures, qui organise et détermine les temps, les durées de parole, etc., etc. Donc, j'ai eu un entretien avec, et c'est ainsi que j'ai connu le président, Laurent Gbagbo. Avant tout propos, je voudrais véritablement remercier, féliciter, rendre hommage à ceux qui ont décidé que nous rendions hommage au président Laurent Gbagbo. En début d'année 2020, j'ai eu une idée, celle d'organiser ou de faire organiser un colloque international sur le président Laurent Gbagbo. Et le professeur Michel Galli, professeur Sciences Po à Paris, en est témoin. Le hasard fait souvent bien les choses. Pourquoi ce projet de colloque international? Pour avoir lu que Socrate, un seul homme, a vaincu Athènes, le monde athénien, pour avoir vu que le capitaine Brutus a vaincu toute la France en fin du 19e siècle, et pour avoir vu que Laurent Gbagbo est le grand vainqueur, c'est celui-là même qui a terrassé toute l'humanité avec ses plus de 200 États. Le monde entier a été vaincu par le président Gbagbo. J'ai décidé donc d'organiser un colloque. Mais avec tous les événements que nous voyons, on n'a pas pu engager le processus. C'est pour ça que je remercie, je félicite toute l'équipe et je m'en honore de m'avoir invité à dire un mot sur Laurent Gbagbo, le don de soi. Et pour avoir échangé pendant presque 10 ans avec l'avocat Michel Galli, Michel Altit, et son équipe, qui pense avoir brassé près de 4000 pages de textes sur le procès, je me suis posé la question de savoir si cela ne représente pas un patrimoine pour nous. Et ce patrimoine, il fallait un jour commencer à le décrypter pour nous en approprier afin que les autres continuent de mourir, de souffrir dans leur honte. 3 questions me sont venues à l'esprit, auxquelles je tenterai de répondre. Qu'est-ce que le don de soi? Et quelles autres notions qui s'en approchent? Premièrement. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo comme suprême incarnation du don de soi, quelles sont les manifestations de cette phénoménologie? Laurent Gbagbo, don de soi, quelles en sont les preuves? Et puis, comme dans toute science, tout phénomène, tout fait a une cause, en troisième lieu, comment nous expliquons-nous, du point de vue socio-anthropologique,
ce phénomène dans le soi. Quels en sont les déterminants? Voilà les trois premières questions que je me suis posées et auxquelles je m'attacherai à répondre. Première question, première réponse, qu'est-ce donc le don de soi? Mais avant tout, le don lui-même. Si la littérature anthropologique sur le don de soi et le contre-don comme conditions et moyens de maintenance et de revitalisation du lien social, si cette littérature est relativement connue depuis un siècle, depuis les travaux de Marcel Mauss, il n'en est pas de même s'agissant du don de soi. Donc le don lui-même est connu, mais le don de soi, cela pose un problème. Ainsi que le souligne Marcel Mauss lui-même, le don est un fait social total au service de la cohésion sociale. En effet, en tant qu'animal politique et symbolique, l'homme a inventé la culture de l'échange, c'est-à-dire la loi du donner, du recevoir et du rendre. Ce mécanisme vaut pour la société ce que représente l'appareil respiratoire pour le vivant. C'est pourquoi, dans toutes nos cultures, ne pas donner est moralement condamnable au même titre que refuser de recevoir. À quoi correspond donc le don de soi? Mais qui offre le don? Et à qui ce don est destiné? Parlons maintenant don de soi. Le don de soi comme élément, comme concept qui connote bien d'autres vertus. Le don de soi suggère que celui qui en fait l'expérience devient une vie pour les autres. Autrement dit, le don de soi réfère à l'altruisme qui constitue une dimension supérieure de la générosité et de bien d'autres valeurs et dispositions connexes telles que l'abnégation, la compassion, la solidarité, le courage, etc. Au centre se trouve Laurent Gbagbo et le don de soi, c'est véritablement un exemple vivant. On a donné quelques exemples, mais par exemple, il est resté au palais de la présidence parce que c'est le président de la République qui incarne la République et donc il ne pouvait pas abandonner cette République. Il est resté au péril de sa vie et on peut dire que c'est un exemple. Il est allé au-delà des appartements politiques. C'est vraiment une preuve d'une grandeur d'un homme de soi. Et il a marqué et montré que il va au-delà des clans, contrairement à certaines personnes, le président Gbagbo. Il va au-delà d'être des simples citoyens et qui voient donc la Côte d'Ivoire, l'État, la nation de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le problème du président Laurent Gbagbo, c'est de réconcilier les différences. Vous savez que quand le président Bézier l'a rencontré à Bruxelles, le premier mot d'ordre de ces deux présidents, c'était d'ouvrir à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Gbagbo veut revenir dans son pays après tant d'années passées en prison, hein, toutes les générations, il veut revenir dans son pays. De presse même qu'allait s'incliner sur la tombe de sa génie. Pour le moment, c'est ce que nous faisons. Et donc, en même temps, j'en profite pour dire que tout le monde connaît Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il a fait pour que les gens se réunissent et que ceux qui sont là puissent se souvenir de cela. Et nous sommes pour Laurent Gbagbo parce qu'on a raconté un peu notre histoire. Hein. Effectivement, à un moment donné,
disons que notre vision, c'est quelque chose de brouillé. Et quand nous avons un espace, peut-être ce terme public est trop fort, quand disons-le comme ça, les écailles nous sont tombées des yeux, les camarades qui ont rejoint, n'est-ce pas, la ligne de notre parti, la ligne originelle du Front populaire ivoirien, nous avons donc décidé de créer cette cellule pour nous rendre à vous. Voyez, et c'est surtout une cellule stratégique pour la promotion des valeurs, de la philosophie, des qualités qu'incarne le président Laurent Gbagbo. Et nous disons, nous, notre slogan, c'est Gbagbo à jamais. Et donc, notre objectif essentiel, c'est de pouvoir créer une institution dédiée à Laurent Gbagbo. Et donc, c'est pour cela que nous avons commencé par ce panel pour rassembler des hommes et des femmes de tous bords politiques. Vous avez vu les panélistes, hein, le ministre Cécile Amara, la ministre Daniel Bounou-Kagéry, vous voyez. Donc, on ne veut pas de l'enfermement. Parce que Gbagbo Laurent, qui incarne le don de soi, n'est pas un homme d'enfermement, c'est un homme de vertu. Et donc, voilà la cellule, voilà ce que la cellule veut faire pour que, justement, ces valeurs-là, incarnées par le président Gbagbo, vous vous rendez compte, un président chef d'État africain qu'on déclare indigent, ces valeurs-là, nous, la promotion présente, la génération présente et les générations futures doivent pouvoir vivre ces valeurs incarnées par le président Gbagbo, probité, honnêteté, intégrité, pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que l'Afrique avance. Voilà, notre indépendance en dépend. Je suis Boussengessa Amani Michel, ancien ministre de l'Éducation nationale, de 2000 à 2007, et ministre de la Défense de M. Laurent Gbagbo, de 2007 à 2010. Il faut d'abord poser le problème ivoirien. Nous sortons d'une guerre, qui a véritablement déchiré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a deux camps nets qui existent dans ce pays. Il y a tous ceux qui sont avec la rébellion et qui, d'une manière ou d'une autre, ont profité de cette rébellion jusqu'à l'accession au pouvoir de M. Ouattara. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la rébellion. Donc, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui sont au pouvoir dans leur manière de faire la politique. Il y a donc un problème de réconciliation de ces deux grands clans en Côte d'Ivoire. Comment réussir? Une fois M. Ouattara au pouvoir, il n'a en tout cas pas emprunté le chemin. Nous pensons que, avant de parler de développement, car la guerre nous a appris que, quelle que soit la multitude du développement matériel, tout cela peut partir en fumée en une seconde. Donc il faut au préalable rechercher la paix, la cohésion sociale. Et nous pensions qu'après une telle guerre, la première préoccupation du président élu devrait être la recherche de la réconciliation. Malheureusement, aucun acte significatif n'a été posé pour ramener la paix. Bien au contraire, le président Gbagbo a été déporté à La Haye. Plusieurs hommes politiques de l'opposition sont emprisonnés dans ce pays. Plusieurs enfants de ce pays sont en exil et M. Ouattara ne s'en préoccupe guère. Ce n'est pas fait pour rapprocher les Ivoiriens. Et dans ce contexte-là, ce terme ne veut pas dire qu'on apprécie ce qui se passe. Ce terme, c'est une autre forme de révolte des populations. C'est pourquoi aujourd'hui la solution, peut-être qu'il faut revenir loin derrière pour demander à M. Ouattara de tout faire afin de rapprocher les Ivoiriens, afin de réconcilier les Ivoiriens. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
nous sommes en train de voir dans le personnage de Laurent Gbagbo un exemple qui s'est développé dans ce pays et tout le monde a vu, et à l'occasion de ce panel, le témoignage du ministre Essi Amara l'a démontré. Laurent Gbagbo n'a jamais milité seulement pour le Front populaire ivoirien. Mais Laurent Gbagbo simplement était, quand il était au pouvoir, un Ivoirien. Et il ne recherchait que l'intérêt des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire entière. Nous n'en veux pas un autre pays que la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que la paix revienne dans ce pays. Au moment où nous entrons dans cette fête de l'indépendance, ce que nous pouvons espérer, c'est que les hommes qui nous gouvernent aujourd'hui comprennent que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes un. Nous devons devenir un. En même temps, je souhaite bonne fête à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. J'implore le Seigneur pour qu'il touche les uns et les autres afin que nous puissions nous réconcilier effectivement, que tous les prisonniers soient libérés, que tous ceux qui sont en exil rentrent au pays et que nous puissions fraterniser comme par le passé. Les objectifs spécifiques assignés au panel sont révisiter les différentes dimensions de l'homme au travers de ses engagements, permettre l'appropriation de la notion de don de soi comme le fondement de l'action politique de l'homme. Résultat attendu. Les valeurs incarnées par le président Laurent Gbagbo sont connues. Le président Laurent Gbagbo est mieux compris dans sa quête inlassable pour la recherche de la démocratie, de la liberté, de la dignité, de la cohésion sociale et de la paix. La notion du don de soi à travers la vision et les valeurs incarnées par Laurent Gbagbo sont partagées et assimilées.